Good morning, allez, Iden et Tutor, aujourd'hui le Lunishmat, mon verbe Bishmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que l'Irfouat, Sarah Bat Betty Rivka Bator Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez à 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Menachot, Perek Yud Alef, Mishnah Chet. Sider et Halechem be Shabbat, bet Abazichim le Achara Shabbat. Victir et Abazichim be Shabbat, Psula. On continue à parler dans notre Mishnah du rituel des Shte Alechem. La mitzvah des 12 lechem apanim, les pains qu'on apportait le Shabbat. Le Shabbat, c'est mekor abracha, c'est la source de la bracha quand on s'abstient de travailler pendant Shabbat. Alors, on mérite par cela la bracha parce qu'on témoigne qu'Hachem crée le monde, puisqu'Hachem crée le monde, et c'est Hachem qui dirige le monde, et c'est Hachem qui donne la bracha dans nos actions, comme on dit dans le Kiddush, que Kiddush et Yom HaShabbat, Vaivarecheu. D'accord ? Alken Berach Hashem et Yom Shabbat, aussi dans le Kiddush vendredi soir, on dit qu'Hashem était Mekadesh le Shabbat, il était Birech, Berach et HaShabbat. D'accord ? Maintenant, donc du coup, le Shabbat, le jour du Mekor Abracha, il y a un rituel spécial dans la Torah, que la Torah nous a dit de faire, c'était de prendre les 12 pains, de les apporter sur la table, et que ces pains-là restaient durant toute la semaine, et c'était le symbole, un peu, si on peut dire, que toute la Bracha, elle reçoit sa bracha, la parnassa, puisque la table remplie, c'est le symbole de la parnassa, elle reçoit la bracha par le mérite du Shabbat. D'accord ? Donc il y avait le rituel du Shabbat d'apporter les 12 pains. Il fallait mettre les 12 nouveaux pains, récupérer les 12 anciens pains, récupérer les 2 bazichines, où il y avait dedans de la levona, une encens. Ensuite, on sortait, on prenait cette levona, on la faisait brûler sur le misbéach, et les 12 pains étaient consommés par les kohanim, les 2 mishmarot, celles qui entraient, parce qu'on changeait les gardes de Kohanim, le Shabbat, donc il y avait celles qui entraient et celles qui sortaient, ensemble ils se partageaient les 12 pains. Ça c'est le rituel général. Maintenant, on va apprendre dans notre Mishnah, on va commencer par la fin en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la dernière partie de la Mishnah, parce que là-bas se trouve toute la règle pour comprendre tout ce qu'il y avait précédemment. D'accord ? Donc je lis la suite tout de suite. Sider et alechem et abazichin l'achar shabbat. Le principe, je vous expliquerai rapidement d'abord l'idée, c'est que la voda qu'on fait le shabbat, c'est pas uniquement de poser du pain. On pose le pain le shabbat qui passe les 7 jours de la semaine, et le shabbat d'après, ils doivent être consommés. Qu'est-ce qui se passe si pour une quelconque raison, on n'a pas pu poser les pains le shabbat? Alors on les amènera peut-être en semaine. Peut-être, je ne sais pas s'il y a une obligation de les mettre, mais une chose de sûre, c'est qu'on ne pourra pas les mettre le lundi ou le mardi, et puis après de manger le Shabbat suivant. Le pain deviendra kadosh que s'il passe un Shabbat une première fois, un premier Shabbat s'est posé, et 7 jours après, le Shabbat d'après, ils seront consommés. D'accord ? Plus que ça. 7 jours d'après, ils devront être consommés. Est-ce que maintenant, on pourra si on a laissé ces pains posés sur la table, est-ce qu'on pourra repartir pour une semaine suivante ? Alors là, de nouveau, on ne pourra pas partir sur une semaine suivante. Pourquoi ? Parce que la avoda, le service de ces 12 pains, c'est de les mettre le Shabbat. Et maintenant, ils ont une mitzvah de rester posés durant tous les jours de la semaine pour être consommés le Shabbat suivant. Soit, si je les pose le lundi, eh ben, le Shabbat suivant, je ne pourrais pas les consommer parce qu'ils n'ont pas été posés pendant du Shabbat au Shabbat. Il faudra attendre la semaine d'après. Mais donc, regardez, là, cette fois-ci, on va pouvoir passer même 13 jours, 12 jours avec les pains sur la table. Il n'y a pas de problème, en théorie. Par contre, si toutefois, on a mis les pains au Shabbat, il faudra nécessairement les consommer le Shabbat d'après. Et si on a dépassé le Shabbat suivant, qu'on ne les a pas mangés, eh bien les pains seront nifsalin belina. Ils vont être invalidés parce qu'ils ont passé la nuit suivante. Chaque corban, il a son durée de temps limitée. En général, c'est un jour et une nuit. Donc la nuit suivante, si tu as passé la nuit suivante, c'est grillé, tu ne pourras plus manger le corban. Ça, c'est pour les corban. Et bien pour le pain, pour les 12 pains-là, le temps pour la consommation, c'est la nuit du Shabbat d'après. Et donc, si j'ai mis les pains le lundi, c'est l'exemple qui va être justement pris dans le Mishnah, j'ai mis le lundi, le mardi, parce qu'il n'y avait pas de pain, on se les a fait voler, peu importe ce qu'il y a eu, on a mis des pains le mardi, le Shabbat suivant, on ne pourra pas les consommer, mais le pain va devenir maintenant kadosh, pour que 7 jours suivants, le Shabbat d'après, donc
du lundi au Shabbat, puis après du Shabbat au Shabbat, le Shabbat suivant, ils devront être consommés là-bas, le deuxième Shabbat. Et si on ne les a pas consommés, ils seront invalidés pour, par la nuit qui suit. C'est ce qui est écrit tout de suite dans la Mishnah. Si Deret Alechem vet Abazichin, Leachar HaShabbat. S'il a placé, disposé les 12 pains et les Bazichin et les 2 cuillères après le Shabbat, Veiktir Tabazichin be Shabbat. Et quand il y a eu le Shabbat, donc le premier Shabbat qui est arrivé, puisqu'on parle qu'il les a mis en semaine, donc un lundi ou un mardi, le Shabbat est arrivé, Veiktir Tabazichin be Shabbat. Il aura fait griller, brûler les 2 Bazichin et 2 cuillères avec l'encens dedans le Shabbat, donc le premier Shabbat. Donc les pains n'auront pas passé 2 Shabbatot, ils n'auront passé qu'un seul Shabbat. Alors là, c'est pas bon. Le korban sera pas soul, ça a été invalidé. Et la Mishnah m'enseigne, Ketsadia, c'est comment il faudra faire plus tôt. Yanichena le Shabbat Abba, il devra les laisser jusqu'au Shabbat suivant. Ve'az, et alors, Sha'afilu, Yala Shulchan Yamiru Abi, Man Bekarklum. Quand même, si le pain reste pendant très longtemps sur la table, il n'y a rien de grave. On va tout réexpliquer ensuite. Ce que je voulais, moi, surtout, c'était vous montrer que ce qu'on a expliqué à l'oral, que c'est écrit. Partons de ce principe, je vais vous faire toute la Mishnah à l'oral, parce que ce sera plus facile. Après de lire et de déchiffrer les mots qui sont écrits. C'est pas compliqué en soi-même, mais il faut juste qu'on m'en aide. Je reprends. La avoda des 12 pains, c'est je les mets le Shabbat et je les consomme le Shabbat après. Si je les ai mis le mardi, eh bien je pourrais pas les consommer le Shabbat suivant, mais il faudra attendre le Shabbat d'après. Parce que quand arrivera le premier Shabbat, les pains seront sanctifiés pour maintenant être devenus, prendre le statut du Lechem Panim, qui deviennent maintenant. Où il y aura la misère de consommer les 7 jours qui suivent. Ok ? Partons de ce principe maintenant. On a dit que sur la table, il y avait les 12 pains, il y avait aussi les basichines, les 2 cuillères où il y avait l'encens, la levona. On avait dit, soit on les met entre les 2 séries pains, soit on les met au-dessus des pains en haut, il y avait plus de 2 avis dans le Mishnah, au-dessus. Ces basichines-là, ils ont un statut de. Ils forment une seule entité avec les 12 pains. Ils sont quelque part, à l'instar du kometz que l'on prend d'une mincha, quand j'ai une mincha, je prends le vin d'échantillon, je le mets au feu sur misbeach et je peux consommer le reste, et bien il y a le même principe, le même rapport entre les 12 pains et ces 2 petites cuillères d'encens, où justement les 2 cuillères d'encens vont être l'échantillon qu'on va porter des 12 pains. Une fois qu'on va le porter, on pourra le consommer les 12 pains suivants. La Mishnah maintenant elle va s'occuper à me dire qu'est-ce qu'il y a eu s'il y a eu un problème. On a mis les 12 pains mais il n'y avait pas encore l'encens. Par exemple, ça va être le premier cas. Sider Talechem be Shabbat. Il a disposé les pains le Shabbat comme il fallait. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Bazirin, les 2 cuillères où il y avait la Levona, il ne les a pas mis ce même Shabbat-là. Il y a eu un problème technique. Et donc, il est venu le dimanche matin. Hein, il a voulu les mettre. Il a mis les Bazirin, c'est les 2 petites cuillères, après le Shabbat. Et maintenant, ce qui s'est passé, bon, vous avez déjà compris toute la suite. Après, la Mishnah va entrer dans un cas plus complexe, mais le principe il est très simple. On a eu un bug, on a eu une galère. Pour les pains, on a commencé la avoda du Shabbat pour le Shabbat suivant. Le problème, c'est que les Bazirin aussi devaient rester pendant 7 jours. Or, quand on a mis les Bazirin là pour ce Shabbat après, donc on a apporté les Bazirin le dimanche matin, eh bien, il s'avère que les Bazirin n'auront pas passé les 7 jours. Donc les Bazirin, ils n'ont pas eu la gdoucha particulière. Eux, les Bazirin, ils devront attendre le Shabbat suivant pour commencer les 7 jours suivants. On a eu un décalage qui s'est passé. Les pains, ils sont kadosh de 7 jours en 7 jours. Ouais, Shabbat 1, 2, 3. Shabbat 1, on a mis les pains, mais on n'a pas mis les Bazirin. Après le lendemain, le dimanche suivant, on a mis les Bazirin. Eh bien, Shabbat 2, quand il arrive, c'est le moment maintenant de consommer le pain en théorie. Le problème, c'est que pour consommer le pain, il faut prendre les Bazirin et mettre la levona au feu du Misbéach. Or, les Bazirin, eux, n'ont pas passé les 7 jours, donc les Bazirin, ils sont en déphasage. Donc les Bazirin, c'est des pains qui n'ont pas d'échantillon à mettre sur le Misbéach. Les Bazirin, eux, en théorie, ils sont aptes maintenant à rester d'un Shabbat à l'autre. Le problème, c'est que les pains, ils ne peuvent pas les continuer. Donc, on a fait rater complètement le Korban. On a tout invalidé. C'est ce qui se passe. Regardez. Sider Talechem et Shabbat. Il a disposé le pain à Shabbat, donc Shabbat 1. Veta Bazirin Acha à Shabbat. Et les Bazirin, il les a apportés le lendemain du Shabbat, donc le dimanche matin. Et ensuite, Veiktir et Bazirin Me Shabbat. Et il va ensuite consumer, le faire monter sur l'autel. Le Misbéach, les Bazirin au Shabbat 2. Donc pour les Bazirin, c'est pas le moment, mais pour le pain, c'est le moment en théorie. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que Psoula, tu as invalidé les 12 pains, tout est invalide, il n'y a rien à faire, tu as tout raté. Et de ce fait, puisque le pain il est invalide, alors là, ça va nous rapporter aux fameuses Alachot
de pigoul notar tamé. Ven chayavin alem mishum pigoul notar vetamé. Et mieux que ça, vous vous rappelez le principe du pigoul, c'est que si je prends un korban où je dois asperger le sang, ou une mincha où je dois jeter, mettre l'échantillon sur le misbéach, si au moment où je vais mettre l'échantillon, je vais penser à consommer le korban à une limite de temps supérieure à ce qui m'a été permis, alors là je vais le rendre pigoul. Et si je pensais à le consommer à l'extérieur, dans un endroit où je n'aurais pas le droit de le manger, je ne le rends pas saoul, d'accord? C'était des principes qu'on avait appris. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que quand tu vas prendre les basirines qui sont en déphasage, parce que les basirines, tu les apportes le dimanche, pas au Shabbat. Donc le korban, lui, c'est ces 12 pains qui sont comme un korban, ils n'ont plus maintenant des échantillons qui vont pouvoir les représenter sur le misbéach. Eh bien, quand tu vas mettre tu vas jeter l'échantillon au feu, donc l'encens au feu, en te disant que le pain tu vas le consommer plus tard, et bien tu vas prendre le pain pigoul. Parce que le korban, c'est une grande règle, le pigoul, c'est que si tu avais fait ce qu'il fallait faire, ça aurait été kasher. Quand tu as raté avec une mauvaise intention, tu l'as rendu pigoul. Or là, le korban, il était de toute façon pas saoul parce que tu pouvais pas mettre ses basirines, d'accord? C'est ce qui a écrit que Vetra Venelaine Mishum pigoul notar, notar. C'est-à-dire que si finalement tu as jeté les basirines au feu, à tort, et le pain, tu l'as pas consommé la nuit suivante, tu as attendu dimanche matin pour manger le pain. Eh bien, le pain, normalement, il devrait avoir un interdit de notar. Tout ce qui dépasse les limites de temps au Beth Amikdash, tu le trahiav de consommer, parce qu'il y a un interdit de consommer au-delà des limites de temps. Eh bien là, pour ces pains-là, puisqu'ils n'ont pas été validés, admis au misbéach, parce qu'il y a eu ce déphasage-là, eh bien, il n'y aura pas d'interdit de notar. Idem pour le principe de tamé aussi. Si le pain, il devient impur, et que tu le manges, et tu ne transgresseras pas l'interdit de manger un korban impur, étant donné que de toute façon il n'est pas consommable. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah, Sider Talechem et Tabazirin, ça va être le même principe avec un nouveau décalage maintenant. C'est qu'il a tout mis le Shabbat comme il fallait, le Shabbat 1, mais après le gars il s'est mis à faire monter la Levona le vendredi suivant, au lieu d'attendre le Shabbat 2. Ouais, regardez, Sider Talechem et Tabazirin be Shabbat. Il a disposé le pain et les Bazirin aussi à Shabbat, comme il se devait. Et ce qui s'est passé, c'est dans une véhicule, et Tabazirin l'achar à Shabbat. Mais ensuite, il a fait brûler sur le misbéach les Bazirin après le Shabbat, le lundi, le dimanche, le jour d'après. Eh bien, le Korban, il sera pas saoul, il sera bien évidemment invalidé, parce qu'il fallait, c'est un Korban qui a un temps limité, de l'offrir pendant Shabbat. Donc il n'est pas saoul, et de ce fait aussi, puisqu'il a été invalidé, alors il inclura pas aussi. Ne s'appliqueront pas les halakhot de pigoul notar tamé. Pigoul, c'est que si tu vas donc mettre l'encens au feu en pensant à consommer les pains au-delà des minutes de temps, tu le rendras pas pigoul. Notar, c'est que si finalement tu n'as pas consommé les pains le Shabbat 2, tu les as laissés jusqu'à la nuit du surlendemain, donc au dimanche 2, eh bien tu ne transgresseras pas l'interdit de manger du notar, du korban resté. Pourquoi? Parce que le korban n'a jamais été permis à la consommation. Et tamé aussi, même principe, si c'est impurifié, de toute façon, si c'est quelque chose qui n'est pas apte à la consommation, ne peut pas recevoir la touma. On ne transgresse pas l'interdit quand on mange le touma. Sida et alechem, maintenant c'est la troisième partie de la Mishnah qu'on avait introduit. Sida et alechem et abazirin l'achar à Shabbat. S'il a prédisposé les pains et les basirines et les cuillères avec l'encens, les achar à Shabbat, après le Shabbat, il y a eu un problème que malheureusement, on n'a pas pu faire la voda le Shabbat comme il se devait. On a quand même voulu se rattraper, on a amené les pains le dimanche matin, avec les deux basirines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il va étirer ta basirine, Béchabat. Et après, il a brûlé les basirines, l'encens, la limona. Il a fait brûler au Shabbat 2. Donc, le pain n'a pas passé les 7 jours. C'est pour ça que la Mishnah enseigne que Passoul, le korban, il est invalide. Ça sert à rien de tout ce que tu as fait. Ça n'a pas marché. Et Ketzad Yassé, comment alors devra-t-il faire? Puisque Shabbat 2, il ne peut pas apporter le korban, alors quoi? Il ne va jamais apporter le korban? Il ne va jamais apporter les basirines avec l'encens pour pouvoir consommer les pains? Comment ça se passe? La Mishnah m'enseigne, Yannichena, Be Shabbat Abahar, eh bien il devra maintenant laisser ses pains pour le Shabbat suivant, c'est-à-dire du Shabbat 2, il devra attendre d'arriver au Shabbat 3. Pourquoi? Et ne t'étonne pas de voir qu'un pain, il va passer pendant 13 jours sur le Shulchan. Shafilu Yala Shulchan Yamim Rabim, En Bekerklum. Car même si les pains restent sur la table pendant très longtemps, il n'y a rien de grave en cela. Le problème, la table va sanctifier ce qu'on va lui mettre, uniquement à partir du moment où c'est devenu sa mitzvah. D'accord? C'est-à-dire le Shabbat suivant, quand maintenant ça va être le moment d'apporter le pain, et tu vas laisser ces pains-là. Alors là, la table du Beth Amikdash, elle va sanctifier ce que tu as posé.
au point où ça va être interdit Bélina si tu passes la nuit suivante. Tandis que pour les que donc pour le cas qu'on est en train de parler, quoi, que il a mis les pains le lundi, le mardi, le Shabbat quand ça va venir ensuite, alors il pourra dépasser la limite de temps complètement, puisque ça va commencer à se sanctifier que le Shabbat 2 jusqu'au Shabbat 3 pour être consommé au Shabbat 3. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.